Histoire. Salut les Bacapotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est... Voilà. On se retrouve comme prévu dans cette vidéo qui était attendue en fait. J'ai pas pu vous la faire avant étant donné que j'avais pas la balance nécessaire pour le faire. J'ai acheté et le temps de la recevoir, c'est pour ça qu'on a eu un petit délai entre deux vidéos. J'ai acheté une petite balance, voilà, je vous montre hop là, le détail de pesée, vous avez vu. En fait, elle est plutôt précise, elle pèse de 0,001 gramme, ce qui est plutôt très précis, voilà, jusqu'à 50 grammes. Donc ça peut même peser certaines lettres parfois, ce qui n'est pas forcément suffisant pour moi, étant donné que j'envoie des lettres qui dépassent parfois 250 grammes. Comme vous l'aurez compris, ce sera une vidéo sur la pesée de EB3 afin de voir si les boosters sont encore pesables. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai vraiment tout fait pour que ce display prenne de la masse, de la bonne masse, afin qu'il nous donne le maximum de lui-même. Pourquoi je vous fais une vidéo sur de la pesée de booster de EB3? C'est simplement parce que un booster non pesé peut valoir. C'est simplement parce qu'un booster non pesé peut valoir 4, 5, 6 euros en fonction de la série et de la date de sortie de celle-ci, notamment sur une série comme Épée et Bouclier, Les Ténèbres Embrasées. Mais un booster pesé peut valoir entre 2, 3 euros pour une ancienne série et pour une série récente entre 3 et 4 euros. Autant vous dire que bah, clairement, beaucoup de personnes préfèrent les vendre au prix du non pesé que au prix du pesé. Et l'intérêt, c'est de savoir si ces boosters sont enfin une bonne fois pour toutes non pesables. Voilà, on va également, en plus de faire de la pesée, on va également voir ce que donne le ratio d'ultra rare en fonction des illustrations. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, on avait fait un tri en fonction des illustrations et on avait pu voir que les illustrations de Scolossandre ne donnaient rien du tout, hormis des holos, je crois. Et on avait vu que les illustrations de Dracaufeu VMAX, tellement, tellement attendues, en fait, j'ai envie de vous dire, donnaient par contre un plus beau ratio ou en tout cas des meilleures cartes. Alors, on va voir si ça le refait encore. Je pense pas que ce soit possible, étant donné que ce serait vraiment un peu bête de leur part de faire un tri de ce genre. Mais on ne sait jamais, et on va dire qu'une fois n'est pas coutume, donc on va réessayer là pour le coup, en même temps qu'on va peser nos boosters. Allez, c'est parti! Alors, Il fait extrêmement chaud dans ce pays, mais bon, j'en transpire pas, pas vraiment, mais on étouffe, hein. Voilà, alors on va se répartir un peu le truc comme ça. Donc on va noter en fonction du poids, mais également en fonction de l'illustration. Et après, on notera en fonction du résultat. Alors la vidéo sera bien entendu en trois parties, étant donné que ben, là, sur une display complète, ça risque d'être un peu long. C'est parti, je vais ouvrir cette display. Et je vous cache pas, en fait, que, ben, si vous voulez, je m'étais donné la limite de cette dernière display-là à vous ouvrir en vidéo. Mais il m'en restait encore plusieurs autres. Je me disais, mais laquelle j'ouvre? Comment savoir dans quel display je vais avoir enfin une gold intéressante type Montracite ou type Gorythmique?
deux belles gold. En plus, ce sont des gold shiny, il me semble. Et vraiment, là, pour le coup, c'était pas facile de choisir entre la quête. Donc, j'ai laissé le soin à Hermison. Parce que jusque-là, en fait, on a eu que... Il y a eu 6 displays qui sont passés en tout. Bah, alors, je ne peux pas savoir ce que vous avez eu dans vos lots à vous. D'ailleurs, je tiens à vous préciser, pour ceux qui ne m'ont pas contacté pour leur lot ou qui n'ont pas vu le résultat de la, du dernier concours, surtout, n'hésitez pas à aller voir la, la vidéo du résultat du concours, mais également à me contacter si vous avez gagné des boosters, parce qu'il reste encore des lots qui n'ont pas été réclamés. Il n'en reste pas beaucoup, mais... Tous les lots n'ont pas été réclamés, comme d'habitude. Donc, on a ouvert notre display. On va tout de suite mettre tous les boosters de côté. Ben, on ouvre ça, en fait, en direct. On va pas passer par quatre chemins. Ça, je vais me le mettre de mon côté, ici. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va se peser l'équivalent de 12 boosters par vidéo. Ça fait qu'on aura à chaque fois la pesée en début de vidéo. Ça permettra de pas perdre le fil, en fait, parce que d'aller revérifier le poids des boosters dans la précédente vidéo, ce genre de choses, bah, ça va être un peu casse-pied. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, hop là. Donc là, on a 12 boosters. Là, on en a 6. Donc si on fait comme ça, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, voilà. Donc on a nos 12 paquets qui sont là. Je vais même les mettre par ici. On va faire notre pesée tout de suite. Donc là, on commence à 22,40. Donc je vais vous mettre ça en accéléré, bien entendu, hein. Voilà, donc notre pesée pour ces 12 boosters. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que, en tout cas, ils sont bien triés dans les displays. Ils sont rangés dans un ordre bien particulier. Thanatos, Angoliath, Scolossandre, Dracaufeu et Thanatos, Angoliath, Scolossandre, Dracaufeu. Donc, comme on avait pu le voir dans une précédente vidéo de déballage, il y a de grosses chances, en fait, qu'ils aient fait en sorte de mettre un nombre égal d'illustrations, en fait, pour éviter de défavoriser certaines illustrations, certainement, parce que Dracaufeu sera peut-être plus recherché qu'une autre. Je n'ai pas vraiment fait gaffe, en fait, dans d'autres displays. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez pu remarquer ça avec d'autres séries, mais j'ai jamais fait gaffe sur le fait qu'il y avait autant d'illustrations que les 4 illustrations a été en nombre égal. Comme je les ai remis au fur et à mesure, je les ai posés, donc j'ai pesé dans cet ordre-là, mais on va les déballer dans cet ordre-là. Alors là, l'intérêt, c'est qu'on considère que normalement, une holographique, c'est une carte qui se déballe aussi rarement qu'une ultra rare. Voilà. Pour vous dire, en fait, dans le principe... après, normalement, les ultra rares, on en chope 7-8 par... on en chope 7-8 par booster. Mais clairement... 7-8 par display. Mais clairement, le ratio devrait prendre en compte également les holographiques qu'on récupère, en fait. Voilà. Alors, ce booster-là, c'est un Dracaufeu. Il est à 22,41. Et puis, on va commencer le déballage. On va arrêter de faire durer le suspense. Skitty. Une énergie. Diamate. Infect. Soin de l'éleveur Pokémon. D'accord. Lampignon en reverse. Et un Scolossandre pour commencer. Donc, dans... Alors, attendez. Je vais mettre ça ici. Un Scolossandre pour commencer, donc on a une régulière,
dans un booster à 22,41. Alors pourtant, c'est pas les plus lourds. Hein. Les plus lourds que j'ai pu voir, c'était un Dark of Fame, il me semble, à 53. Ouais. UR régulière, ultra régulière, voilà. J'ai donc eu un gros bug de caméra. Comme vous avez pu le voir, ça a filmé l'équivalent de 9 minutes du début de la vidéo. Alors, c'est pas trop grave, mais voilà, je vais déjà en tout cas pouvoir vous dire le résultat de cette pesée qu'on a pu faire pour le premier coup. Et comme je vous disais, ben, on a quand même un sans faute sur les Dracaufeu. Comme vous voyez là, une ultra rare, une holo, une VMAX. Voilà, on a pu voir également que la pesée pouvait se faire encore. Mais c'est pas une réelle certitude. Il faut approfondir ça déjà avec la suite du display et avec d'autres displays si possible. Je le ferai pas avec d'autres displays parce que ça coûte un peu cher au bout d'un temps. Voilà. Donc là, pour le coup, on a eu une VMAX, une ultra rare dans Dracaufeu. On a eu trois holographiques, dont une dans Dracaufeu, une dans Angoliath et une dans Scolossandre. Et on va voir la suite dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao !